un homme comblé. Depuis maintenant près de 18 ans, le chanteur Mika s'épanouit aux côtés de son compagnon, Andy. Bien que très discret sur sa vie privée, l'interprète de Big Girl semble plus à l'aise à l'idée d'évoquer son quotidien avec celui qui partage sa vie. La preuve ? Dans le nouveau numéro de l'émission 50 Inside, diffusé ce samedi 9 septembre sur TF1, le coach de The Voice, qui est venu faire la promotion de son nouvel album, s'est laissé aller à quelques confidences. Il a d'ailleurs accepté de révéler le métier de son prince charmant. C'est un réalisateur très engagé socialement, a-t-il indiqué. Côté vie privée et personnalité, Mika et Andy ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Si le coach de The Voice a toujours eu l'habitude de la notoriété, son compagnon lui, y est allergique. C'est une personne qui déteste la lumière, qui déteste le flash. L'idée de faire des soirées, des dîners parties à Paris ou encore des trucs un peu plus société à Londres, pour lui, c'est allergie totale, a-t-il ajouté. Malgré tout, les deux tourtereaux ont su d'adapter et trouver le secret de la longévité dans leur couple, il faut s'engueuler, je pense, a conclu Mika. Mika et son chéri Andy, une histoire qui dure. Mika cache sur sa relation avec Andy, il est extrêmement dérangé par ça. Le 4 septembre dernier, dans l'émission RTL Bonsoir, Mika avait déjà évoqué sa relation avec Andy. Le chanteur avait alors révélé qu'il parlait de sa vie amoureuse à plusieurs reprises dans son nouvel album. Une mise en lumière qui n'a évidemment pas plu à son partenaire. Il est extrêmement dérangé par ça, a avoué l'artiste, avant de revenir sur la structure d'un titre dans lequel il est revenu sur une période compliquée de leur vie de couple. Le pré-refrain, ça ouvre avec, ça commence la dispute, les mots durs, les mots bruts. Bouchez-vous les oreilles, car le monstre se réveille. Et ensuite, le refrain dit, où est-ce ce que va faire chez les Grecs, est-ce que là-bas il y a un mec, please excuse my French, mais je crois bien que si est-ce fini, moi Andy et Paris, a-t-il poursuivi, avant de conclure, je l'ai écrit en français, c'était une vengeance parce qu'il ne parle pas français. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, TF1.